Les pays qui se respectent, non? Voilà les pays qui se respectent encore. Ouais, les camions sortent à partir de 22 h. Voilà. Ce n'est pas comme dans votre pays là-bas, dans notre pays au Cameroun, tu vas voir les camions à toute heure dehors. Aucune valeur pour l'être humain. Allez, voilà, nous sommes comme ça sur l'autoroute. Ah oui. Et ils ont les routes et ils mettent les règles. Alors qu'ils ont des bonnes routes. Chez nous, on n'a pas de route. Mais on laisse les monstres de la route sortir à n'importe quel les bulldogs, à n'importe quel. On vient dans notre pays, on coupe le bois. On vole notre bois. On ne profite pas de ça. Et comme ça ne suffit pas, on les fait sortir à n'importe quel. Que oui, avec tous les risques qu'il y a. On s'en fout que le billet de bois lâche et que ça tue les populations. On s'en fout. Mourrez-vous tous, dis donc. On s'en fout, dis donc. Aucune valeur pour l'être humain dans notre pays. On n'a aucune valeur pour l'être humain dans notre pays, franchement. Regardez, voilà les pays qui se respectent. Regardez vous-même. Regardez, c'est comme si toi-même tu es frustré quand tu es en train de rouler avec ta petite voiture. Ce n'est que des camions à des centaines de kilomètres. Ce n'est que des camions, 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 camions. Camion. Ce n'est que des camions aux centaines de kilomètres. Regardez. Regardez vous-même là. On a dit qu'on a en train de construire l'axe. On a en train de construire l'axe long. Ah, c'est l'autoroute. Voilà. Je suis sûr que si ce n'est pas la volonté de Dieu, je vais arriver. Mais chez nous, c'est la tombola. Le mauvais état de route. Ici là, je suis sûr que je vais arriver. Ici, je vais arriver. Par la volonté de Dieu. Il dit que regardez les camions. Hein. Toi, tu es frustré. Tu dis que mais je fais même quoi ici à ma petite voiture. Tu es frustré. Tu es frustré de rouler au milieu des camions. Depuis la paix de 60 km. Toujours dans les camions. Dans les camions. Toujours dans les camions. Pays qui se respectent, les pays où on a la valeur humaine. Au Cameroun, la seule personne qui a la valeur, c'est pas Paul Bien. Le reste, l'amour, vous tous, on s'en fout de vous. Toi, tu es qui? Tu es qui? Même, on s'en fout de toi. Sans son meilleur ami, quand tu mets, il envoie son représentant. Ah, le père, on va tout voir. Un homme sans sentiment. Ah, non, le père, là. Non. Père là, hein? Non. Et le genre de papa là, c'est le jour qui va mourir, que vous allez comprendre les dégâts du père là. Franchement. Ah oui, c'est un homme. Ah! Tiens! Non, père. Les camions sont partout. Hein. Tu as deux roulés, tu ne vois que les camions. On respecte les êtres humains. Les camions, ils sortent, donc ils se bâchent avec le respect. Le respect. Voilà. Et tu vas voir la patrouille. Voilà. Il y a un espace rien que pour la patrouille. On te trouve là, on te prend, on te frappe cher, tu payes les amendes. En cas d'urgence. C'est-à-dire qu'on a tout fait, on a tout prévu. Les vrais pays, gouverner, c'est prévenir. Hein?
gouverneur s'est prévenu, mais tu vois, c'était un tétan, il a venu dire, ah, calme-toi là-bas, non, mon frère. C'est parce que je suis jaloux et je veux que mon pays soit beau. Ça, c'est mon rêve. Je veux que mon pays soit beau. Voilà. Qui aime bien, châtie bien. Si notre pays est beau, c'est beau pour tout le monde. C'est moins d'accidents. Si la route était bonne, ce qu'on a encore, Cabral Nyamton, ce que Cabral Nyamton vit, l'homme qui te faisait rire, toi, petit tétard, qui va venir mettre les faux commentaires là, tout à l'heure. Si on avait les bonnes routes, c'est que le petit la Blaise Calabar est vivant. Vous aimez toujours qu'on reconnaisse la valeur des gens quand ils sont morts. Mais oui, l'aigreur, la méchanceté. Hein, la méchanceté, on s'en prend aux gens pour rien. Les gens qui ne gèrent pas la fortune de l'État, on s'en prend à eux dans notre pays. Alors que les coupables sont là, ceux qui détournent l'argent. Celui qui nommait là depuis 42 ans, hein, il a foutu dans notre pays, notre pays est devenu un mouroir. Le pays est devenu un mouroir. Les Camerounais n'ont aucune valeur dans leur propre pays. On vient dans notre pays, on coupe les billes de bois. On terrasse les routes. On détruit les routes. C'est-à-dire qu'on t'empêche toi-même de rentrer dans ton village. Parce que la route est boueuse. Depuis les années qu'on coupe les billes de bois, les billes de bois à Yabassi. Yabassi n'a pas de route jusqu'à aujourd'hui. On fait le semblant. On prend un seul enfant de Yabassi, peut-être toi, on nomme ministre. Et puis quoi? Tu vas voir les gens se vantent. Oui, écoute, est-ce que tu as un ministre? Oui, et puis quoi? Ça change quoi sur les barantés? Hein? Ça change quoi sur les barantés? Hein? Comme Bimouelle est ministre, ça change quoi sur les Yabassiens? Hein? Mbela, le jeune est ministre, ça change quoi sur les Bakaka? Ça change quoi sur les Bakaka? Ça change quoi? Ça empêche que les Bakaka prennent le désert? Ou bien la Méditerranée? Comme l'autre, on l'appelle qui là? On a nommé tel Koumelon, un président de la Cour suprême. Est-ce que ça empêche que Dukamé prenne la route du désert? Pour Boza? Hein, ça empêche. Un Ganou Ndoumé si un ministre, et puis quoi? Ça empêche que ses frères ne prennent pas le désert? Hein? Toi qui viens là dire qu'on en a parlé mal là, que ta vie soit comme le Cameroun. Oui, que ta vie soit comme le Cameroun. Oui, 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 oui. Que ta vie soit comme le Cameroun. Que mon oncle est ministre. Et puis quoi? Et puis quoi comme quand ton oncle est ministre? Ça change quoi sur la vie des autres citoyens de ton village? Ne parlons même pas du pays. Parlons de ton village. Ton oncle est ministre là. Ça change quoi sur la vie des gens du village? Ça change quoi? Laurent est son ministre. Et puis quoi? Il y a combien de Sawa qui sont dans les grands postes? Laurent est son ministre. Oui, il y a combien de Sawa? Il a fait combien de magistrats Sawa? Chacun se bat. Peut-être on t'organise pour la nomination. Et puis quoi? Si Laurent est son Sawa, ça empêche qu'on vienne déguerpir les habitants de Bali sur le terrain. Les gens qui sont là depuis près d'un siècle, c'est Laurent est son qui est ministre de la Justice. Laurent est son ministre de la Justice. Mais on vient déguerpir les doigts là sur le terrain pour construire l'hôtel. Arrêtez-moi ça, dis donc. Ça, c'est le complexe. Donc, Jacques, quand nous étions petits là, mon oncle est comme ça. Mon père, si cela, mais si tu dois manger alors que ton oncle est au paradis, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Tu dois te poser les questions. Arrêtez-moi ça. Bande d'imbéciles. Que non, c'est tel qui est mon frère. Il ne peut rien changer. Voilà. Ce n'est pas la réussite d'un citoyen qui change la vie du reste, non. C'est la réalisation des routes, des infrastructures. Parce que c'est que l'État, c'est le rôle de l'État. Construire les routes, donner de l'eau. Parce que c'est les gros projets, on appelle ça les gros œufs. Voilà. On appelle ça les gros œufs. C'est le rôle de l'État. Construire les hôpitaux. Les hôpitaux que chacun peut se construire là-bas. Peut se soigner là-bas autant pour moi. Il faut construire les hôpitaux que c'est pour certains. Et on passe soigner en Europe. Non, 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 non. Non, non, non. Ce n'est pas les chèvres qui vont aller se soigner là-bas. Voilà, c'est comme moi-même, j'ai dit que voyage aussi, moi aussi me soigner dehors. Mais il faudra participer. J'interpelle tous ceux-là qui n'ont pas contribué là, d'aller contribuer. Je suis en Indonésie. Voilà. On a fait les examens l'autre jour. Mes bas de pied sont calcinés. Mes bas de pied sont calcinés. Voilà. Donc je vais faire un direct sur ma page Mbanga Diaspora officielle. Voilà.
Peut-être demain ou bien tout à l'heure, là, je ferai un direct. Banga diaspora officiel. Quand c'est trop, c'est laid. Voilà mon pied qu'on a tartiné. On a torturé, on m'a tapé. Voilà mon pied qui est malade. Voilà. Donc pour eux, là, quand tu dis la vérité, il faut te tuer. Toi qui souhaites que le pays ne va pas bien là, que le pays là va bien là, que ta vie soit comme le Cameroun. Voilà. Que ta vie prenne 42 ans comme le Cameroun. Ouais. Petit intègre que tu sois. Voilà un pays. Tu vas dire que oh, il n'aime pas le Cameroun. Mon ami, il n'aime pas le Cameroun. Ceux qui n'aiment pas le Cameroun, c'est ceux qui ne travaillent pas bien. C'est ceux-là qui laissent que les ordures jonchent partout dans les rues. C'est ceux-là qui n'aiment pas le Cameroun. Pas un homme comme moi qui aime le Cameroun jusqu'à... qui participe au développement du Cameroun. Vous n'avez pas l'eau. Faut dire merci à ceux qui viennent mettre le forage au pays. Vous êtes malade. La méchanceté. L'homme camerounais est devenu trop méchant, trop méchant, trop méchant. Attendez que je me soigne, je reviens. Attendez que je me soigne. J'ai des petits problèmes ces temps-ci là. Il faut que je finisse mon pied là. Voilà. Il faut que je me soigne. Donc demain, je vais mettre le montant total. Donc j'invite tout le monde à participer. Voilà. J'invite tout le monde à participer. Et voilà les camions. Regardez. Les Camerounais. Regardez, les camions sortent à 22h jusqu'à 6h le matin. Regardez les camions. Et les camions ici sortent à 22h. 22h jusqu'à 6h le matin. Donc mon ami, tu dois courir. Pour que 6h, 1 minute, ne te trouve pas sur la route. Ah oui, comme ça. Les Camerounais, voyagez. Voilà. Alors, on est là pour vous éveiller. Alors, le plus important, c'était l'éveil de conscience. Et l'éveil de conscience est en train de battre son plein. On n'a pas un gros travail. Je dis merci à tous les activistes. À certains blogueurs, influenceurs, voilà. Pas les autres, pas les mbrakatala qui passent le temps à parler du piment, là. Voilà. Ce sont des égoïstes. Ils se battent pour leur ventre seul. Et ils pensent que non, ça va bien tant que leur vie va bien, non? Ça va pas bien. Voilà. Ça va pas bien. C'est clair, il faut dire la vérité. Ça va pas bien. Un petit frère, tu me dis que, oh grand, mais depuis une semaine que tu es dehors, là, tu es devenu frère. Mais petit frère, il n'y a pas la poussière, petit. Il n'y a pas la poussière. Oui, petit, il n'y a pas la poussière qui va se verser. Vous voyez les poussières partout, là, Douala, Yaoundé, Bafoussam, tout ça, là. Ngaoundé, toutes ces villes-là, Bétois. Vous croyez que quand la poussière se lève, là, ça, mais ça va se déposer où? Ça se dépose sur les maisons, sur les toits, sur les arbres. Même les arbres, on a tout coupé. Hein? Tous les arbres, on a coupé. Ça se dépose sur les êtres humains. Oui. Ça, c'est bon. Vous dites, on a toujours l'habitude de dire que mais le noir qui vient en bain est frais. Mais c'est normal, non? Quand tu es à l'extérieur, tu es frais parce que les pays sont développés. Les noirs américains, on a toujours dit que. C'est pas eux-là qui nous ont boostés à l'époque quand nous étions petits, les noirs américains. On disait que mais ils sont frais comme ça, comment? Mais c'est nos frères, il n'y a pas de différence. Mais oui. C'est dans la propriété que tu connais ton vrai thème. Alors, et c'est ça qui frustre nos soeurs. Elles se mettent en train de faire le jansang, tout et tout. Mais oui. Il faut voyager, aller dans les pays pour voir comment les gens aiment leur peau. Hein? Chacun aime sa peau. Parce que quand tu peux entretenir ta peau que Dieu t'a donnée, est-ce que tu as besoin d'être comme les autres? L'Africain est l'une des personnes qui vit encore dans la précarité. Surtout l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, là, je ne sais pas ce qui ne va pas avec l'Afrique centrale. On vit dans une précarité sans pareil, qui ne dit pas son nom. Mais oui. Et on se plaît comme ça. Tu vas voir des maudits qui vont venir vouloir tout se justifier. Voilà. Et bon, je m'adresse, je vais aussi parler. Onglang, je n'ai pas refini à lui. Hein. Onglang, le cas Onglang, c'est Onglang là. Voilà, je n'ai pas refini à lui. Je reviens encore sur toi. Voilà. Je reviens encore sur toi là, Onglang. Voilà, toi tu dis que dans votre famille on n'épouse pas. Je vois les gens qui parlent là. Mon ami, chacun a quelque chose à dire en privé, même dans sa famille. Hein? Mais dès lors que tu deviens un personnage public, ok?
quand tu es dans l'équipe nationale, une institution, une fierté nationale, le symbole de l'unité nationale, tu as le droit et devoir parfois de garder le silence, de bien te tenir quand quelque chose est sorti de ta bouche. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on n'amenait pas les gens en bateau. Que wow, les gens disent ça. Mon ami, les gens là ne signifient rien. Voilà. Les gens ne signifient rien. Moi, je ne joue pas l'équipe nationale. Je ne suis pas un maire. Je ne suis pas un fonctionnaire. Je ne représentais rien peut-être. Je suis un Camerounais, oui. Et je ne représentais rien. Lui, il fait partie de la tanière des lions. La fierté nationale, un symbole du Cameroun. Une institution camerounaise. Mais oui, la FECAFO, c'est une institution camerounaise. Et quand tu joues là-bas, c'est la joie à tout le monde. Mais oui. Tu joues pour les Camerounais et de toutes les tribus. Confondus. Tu n'as pas le droit de tenir ce genre de langage-là en public. Et quand tu tiens le langage en privé, rassure-toi que ça ne sorte pas en public. Rassure-toi que ça ne sorte pas en public. Voilà. Mais c'est onglant. Et quand vous êtes tellement zélé, vous les Camerounais, vous avez perdu la valeur de vivre. Normalement, si c'était quelqu'un de vrai, là, il devait demander des excuses. Je ne sais pas ce qu'il a à parler. Il a fabriqué un mensonge qui va parler là. Continuez à parler. Vous hantez votre vie. Tout est d'abord spirituel, petit frère. Tout est d'abord spirituel, honnête et physique. C'était moi à ta place qui a crié, ça demandait des excuses. Je vois un tintin sur la toile qui dit que le blogueur qui va essayer de parler de Onglan, je ris. Ça va devenir un combat pour moi. Voilà. Petit Toto. Que le blogueur. Tu as le Cameroun, 200 petits poulets t'as dépassé à élever. Parlez fort. Quelqu'un qui est parti au Cameroun, après 20 ans en Europe, il rentre sans rien. Il vient faire l'élevage de 200 poulets. Il n'a même pas supporté un an, il a fui, il est parti. Regardez vraiment Facebook. Hein. C'est vrai que Facebook a donné la parole à tout le monde. Hein. Voilà. Hein? À plus de 50 ans. Irresponsable devant Dieu et les hommes. Il faut les voir comment il crie sur Facebook. Ouah! Facebook. C'est terrible quand même. Hein? Ouais, c'est vrai, ça donne la parole à tout le monde, c'est vrai. Ça donne la parole à tout le monde. Regardez les gens comme ça, que si dans la vraie vie, on dit que parlons, là, ils ne peuvent pas parler. Tu demandes que bon, toi, tu habites même où au Cameroun là-même. Ils ne peuvent pas te dire son adresse. Ils ne connaissent rien. Hein? Ah, et tu vois aussi, moi, c'est un genre qui considère aussi le genre de personnes là. Ah, vraiment. Voilà. Mon ami, chacun a quelque chose à dire dans sa famille, mais c'est quand en public, on ne dit rien. On ferme sa bouche. Voilà. Quand tu as une personnalité, tu ne dis plus n'importe quoi en public. Et quand tu dis en privé là, rassure-toi que ça ne sorte pas en public. Sinon, c'est le problème. Mais oui. Sinon, c'est le problème. On fait ce qu'on appelle la rétroactive. On retourne en arrière. Parce que ça sort de ta bouche. Tu es un lion indomptable. Et ça met le taux. Il faut que tu dois faire quelque chose. Hein. Voilà, parce que tu avais envoyé un courrier au club d'Onana. Voilà, Onglan. Voilà, qui a parlé quelque chose qui n'est pas du tout bon. Voilà, là c'est sérieux. Voilà, c'est sérieux là. Arrêtons de croire que notre pays là est déjà gâté comme ça, là, qu'il n'y a plus de valeur. Voilà. Arrêtons de croire que notre pays n'a plus de valeur. Voilà. Sauvons un peu, sauvons au moins le peu qui nous reste, le peu de valeur que nous avons. Voilà. Sauvons le peu de valeur que nous avons. Parce que là, le genre de comportement, là, le genre de langage là, outrancier, voilà, ça touche le tissu social. Et ce n'est pas quelque chose de bien. Voilà, ce n'est pas quelque chose de bien. Parce qu'il se passe dans nos eaux là, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Pas dans nos oreilles, ce n'est pas bien. Il
Hein, vous croyez que les autres... Tout le monde a la force. Même l'enfant que tu vois là, le jour qu'il se décide, tu tapes, il ne recule pas. Tu tapes, il ne recule pas. C'est comme ça. Même l'enfant que tu vois, il est petit là. Tu négliges. Il y a le jour qui se décide. Voilà les anglophones, non? Est-ce qu'on parle encore seulement? Ah, les anglophones. À l'époque, on disait que les anglophones, ils peuvent faire quoi? You will do what? Oh, du là. Si nos frères là disent que bon, ils reviennent là. Ah, on va dire que pardon, venez vite. Venez vite, pardon. Avant encore les excuses. Avant encore les excuses.